Enfin réveillé? Ah, mais j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé là. Aucun souvenir vraiment? En même temps, vu ce que t'as vu, tu te rappelles vraiment de rien? Bah, pas vraiment là. Je pensais vraiment que t'étais mort quand Max t'a couché quoi. Attends, mais c'est Max qui m'a couché? Il doit savoir ce qui m'est arrivé hein. Il est où là? Ouais, il est sur le canapé, totalement déchiré. Ah, mais je vais aller le voir alors. Max? Max? Réveille-toi! Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Réfléchis. Alors ce soir, on va tenter de choper la petite Jenny là? Mec, franchement, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire que je puisse avoir. En parlant de cadeau d'anniversaire, je suis désolé, mais j'ai complètement zappé. T'inquiète. En vrai, le meilleur cadeau d'anniversaire que tu puisses me faire, ce serait pas que tu finisses ivre mort sur un canapé. Quoi. Ivre mort, moi? C'est encore moi qui vais te coucher, de toute façon. Ouais, si je peux me coucher à côté de la petite Jenny, ce serait cool. Jenny? Mais j'ai encore mes chances. Merde, en plein milieu de cuisine là! Oh mec, Derch, moi je ramasse pas ça, hein. Faut que tu trouves celui qui a fait ça, tu le fais ramasser! Mais je sais pas qui c'est là! Tu veux pas m'aider à chercher? Mais non, moi je peux pas, je dois aller voir Claire, elle est dans le mal à cause de Julien! À cause de Julien? À cause de Julien? Ah, t'es là toi! Ouais? Alors, Askip, ça fait un an que t'es avec la petite Claire là? Ouais mec, ça se passe plutôt très bien. Ce soir, je lui ai prévu une petite surprise et. T'inquiète même pas. Ah, t'es un petit gourmand toi, dis donc là, hein. Ah, la gourmande, c'est plutôt elle, hein. Oh. Ah, la surprise. Quoi? Non, rien. Quelle surprise? Oh, mec, je suis désolé, j'ai oublié ton cadeau d'anniversaire. Je sais pas, mon cadeau, ça pourrait être par exemple que tu ramasses la merde qui est là, non? Non, désolé. Par contre, je te paye en nature. Yo. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, tu sais, la surprise. J'avais donné rendez-vous à Claire ici à 3h. Attends, vous voulez Ken ici là? Ouais! Bah, tu sais bien, elle aime bien le faire un peu partout et là c'est le dernier endroit où on l'a pas encore fait. Mec, je suis pas sûr qu'elle va kiffer, elle a quand même une merde en plein milieu de la cuisine! Oh putain, sale odeur! C'est qui? Justement, je sais. Attends, mais si la dernière endroit où vous l'avez fait, c'est la cuisine, c'est là que vous l'avez déjà fait dans ma chambre? Ah, Jenny! Oh! Salut, vous faites quoi? Salut, Jenny! Dis un truc intelligent. Tu veux pas nous aider à trouver qui c'est qui a fait la merde là? C'est dégueulasse. Je sais pas, mais ouais, y a vraiment quelqu'un qui l'a fait quoi, du coup. Tu peux m'aider à retrouver qui c'est? Bon, ouais, si tu veux, de toute façon je me faisais chier donc. Attends, mais c'est toi qui as fait ça, tu vois? Ah, mais non, juste je m'ennuyais, je savais pas quoi faire quoi. Ah non. D'accord. Ok, du coup, vous allez gérer vos histoires de merde ailleurs et puis moi j'ai des choses à faire. Ah non, y'a personne qui gagne ici tant qu'on l'a pas trouvé qui c'est qui a chié là, hein. Ah. Avant d'aller les chercher,
Pas servir un verre, on les trouvera vachement mieux. Je suis grave chaud, je suis vraiment trop chaud. T'es sûr que t'as pas trop bu là? Bah non. Oh, en vrai, tranquille. Par contre, j'ai plus d'alcool, du coup, je vais en chercher et je reviens après. Alors? Quoi? Tu retentes ta chance avec Jenny? T'avais pas mis avant la dernière fois? Ah oui, oui, oui. Non mais t'inquiète, cette fois ça va marcher, mec. Par contre, genre, y'a vraiment quelqu'un qui a chié dans la cuisine. Je sais pas, c'est l'autre personne. Tu sais pas qui c'est? Ça me rappelle l'affaire du vomi dans le lit. C'était en 2014. Il était 3h53. On était samedi soir, on faisait soirée. Il y avait la pleine lune. Et là, je rentre dans ma chambre et sur mes draps, une flaque de vomi. On n'a jamais su qui c'était. Mec, c'était toi, hein? On n'a jamais su. Tout le monde a su que c'était toi, quoi. Ouais, tout le monde. Ah, salut, toi. T'es qui, en fait? Moi? Je suis Gustave. Hein? Mais tu fais quoi, là? Bah, c'est toi, tout à l'heure, tu m'as laissé rentrer, tu te souviens pas? Et là, elle me dit, mais c'est ma mère. Ah, mais vous êtes là, vous? Salut, pote. Ça, mon pote. Ah, ouais, yes. Ouais, super. Bonjour. Ouais, putain, t'es un pote. Allez. Attends, il y a moi aussi. T'es qui toi? Alors, oui, je sais que je suis pas invité, mais il y a des potes à moi et il y a de l'alcool. Enfin, merci de m'inviter. Ouais, ok. Ah, du sable donc. Exactement. Et je peux vous aider à faire votre enquête, hein? Non, non, vraiment, on va se démarrer tranquille. Cool! Bon, là, on interroge qui en premier? Non, mais... Oui? Je pense savoir qui peut nous aider. Venez. Mais... Et Jenny, là-bas? Bon, bah... Je lui reparlerai plus tard. C'est quand même une sale histoire que vous avez là. Oui? Voilà. Je sais pas qui a fait ça, mais... C'est dégueulasse. Carrément, ça fait trop pas quoi, le gars chie une merde, un fiasco anal, pour ainsi dire. Je veux dire, ça coule quoi. Dégueulasse. Donnez-nous un nom les gars. On a aucun nom à te donner, gamin. On a rien. Puis même si on en avait un, on le donnerait pas. Je passe avec moi les gars. Vous avez pas envie que je remette l'affaire du vomi sur le lit sur le tapis, ok? Attends, mais du coup c'était sur le lit ou sur le tapis? C'était une expression. C'est dégueulasse ce que tu racontes. Ça me met les chocottes. Regarde, j'ai Paul qui s'est... Calme-toi. T'es sain aussi. Écoutez-moi. Tout ce qu'elle sait, oui, c'est qu'elle a fait un jeu d'alcool. Oui. Avec Arthur. Oui. Avec Onan. C'est moi. Avec Doual. C'est lui. C'est moi. Oui. Puis avec toi aussi. Et avec moi? Ouais, toi. T'y étais. Elle s'est bien amusée. Écoute, on te propose un jeu. On va tous te poser des questions. Si tu réponds juste, nous buvons tous une gorgée. Tous les quatre. Et si tu réponds faux, c'est toi et toi seul qui bois quatre gorgées. Au final, tu gagnes un tous les coups. Ça te va? Vas-y mec, je suis chaud. Il est chaud. Il est con. On va l'inculer. Ta gueule. Ok. Allez. Première question. Écoute bien. En quelle année? Arrête. Les Incas, les ancêtres, se sont fait lâchement massacré par les roues des putains espagnols. Et par qui? Alors c'était en 1442 par Maximus l'Espagnol. Oh bien joué, le gars il sait. C'est chaud. On va aller à la tienne. Santé, hein. Pas de pied. Question. En quelle année ai-je été circoncis? Ah ouais, putain, je me souviens. De toute façon, je vous ai baisé parce que j'apprenais faux aux questions, les gars. Ah, peut-être. Mais toi, tu as bu des shots. Nous, on n'a bu que de l'eau. Non. Comment ça? On n'a pas bu de l'eau. On avait un plat. Il y avait le jaune. Ouais, mais on avait dit de l'eau. On avait dit la cristalline. On avait dit de l'eau. En bouteille. De... Tu es quand? Oui. En quoi ça nous allait à... Ah, mais en rien. C'était juste pour foutre le seum. Écoutez-moi, les gars. Vous avez l'air de mec bien. Oui. Dans le sable, ça va. C'est une bonne personne. Mais si je peux vous donner un conseil, écoutez-le, vous foutez notre sale drap. Oh oui. C'est une sale affaire, comme a dit mon collègue. Très mauvais choix. Sortez-y le plus vite possible. Oh oui. Vous n'êtes qu'un carquet des minots. Fuyez. Donne-moi un putain de nom. Non. C'est clair. Non mais c'est peut-être clair pour vous, mais ça n'est pas pour nous, les gars. Dis que... T'es pas t'es con.
Vous êtes sûr, c'est clair, là? Mais bien sûr. Je me souviens de l'avoir vu dans la cuisine. Vers 23h, quand on est allé chercher un tacos. Double viande, huile d'olive. Bon, alors, je vais pas du tout t'interrompre, hein, mais je crois qu'on dit taco et pas tacos. Ta gueule! Ferme ta gueule! Claire, putain! Oh putain, j'ai oublié de dire à Julien qu'il était trop dans le mal! Faut qu'on trouve Sophie, gros! N'y allez pas! Vous allez pas aimer ce que vous allez trouver. Oh non! Oh non, ça non! Vous allez le regretter! Et fort! Très fort! Très fort! Bah, merci les gars! Hein. Merci, merde! À lundi, hein! Eh ben, on se voit lundi! Lundi, 8h, hein! Ouais, 8h! On sera là! Allez! Ah oui! Ah, bon, écoute, Claire, cette affaire, elle est grave! Si tu sais quelque chose, dis-le! Qui a chié dans la cuisine, bordel? Calme-toi! Non, elle sait rien, les gars, lâchez l'affaire! Non, je leur dois la vérité. Je pense que je sais qui a fait ça, mais ça implique quelqu'un d'extérieur, ça vous dépasse. Parle sans crainte. Julien m'avait donné rendez-vous à 23h dans la cuisine. Il voulait me faire une petite surprise. Mais attends, mais t'es qui? Ouais. Fais pas. Voilà, et maintenant j'ai trompé Julien, je m'en veux trop. En plus, il va trop m'en vouloir, c'était le jour de nos 1 an. Je suis désolé, Claire. Il s'est passé quoi ensuite? Ensuite, je suis partie et Gustave est resté dans la cuisine. C'était juste avant que Max t'emmène dans sa chambre. Gustave? Non, mais attends, mais je vais l'enculer, tu vois, je vais le dégager de ma maison, putain. Ne dites rien à Julien. Tu sais, Claire, dans la vie, il y a des vérités qu'il ne faut pas taire, même si elles brisent le cœur. Mais arrêtez la drogue, les gars. Et je t'ai déjà dit que je faisais du catamaran en Ardèche. Gustave! Oui? Je sais ce que t'as fait. Quoi? J'ai fait quoi? Claire nous a tout raconté. Claire? Elle nous a tout dit? Alors oui, il se pourrait peut-être que j'ai... T'as chié dans la cuisine, putain! Hein? Mec, tu vas juste ramasser tout ce que t'as fait? Non, moi, tu veux que je te montre nos preuves et ça, hein? Non, c'est bon, je vais le faire. Tu danses? Monsieur. C'est génial. Je pensais grave à ce qui s'était passé. En vrai, je réalise que cette enquête m'a fait mieux rire. Et genre, en vrai, tu me plais de ouf. Du coup, genre, est-ce que tu voudrais sortir avec moi? Jenny? Ah. Jenny? Ah bah merci. C'est maintenant que tu te réveilles là? T'as réussi à te relever toi? Gros, mais il s'est passé tellement de trucs. T'as réussi à pêcher au Jenny? Jenny, elle est en PLS dans ce canapé là, du coup vraiment c'est impossible. Hein. Ah merde, mais tu vois, au final, c'est toi qui allais te coucher au milieu de la soirée, pas moi. Hein. D'ailleurs, il s'est passé quoi? J'ai aucun souvenir. Oh mec, ah t'étais tellement mort. Tu faisais de la merde. Mais genre, littéralement de la merde. Comment ça, littéralement? Alors, je t'ai laissé 2 minutes dans le couloir avant d'aller te coucher. Et puis... Ah oui, t'es sûr? Attends gros, faut que j'aille au chiotte là. Ok, vas-y, je te laisse, je reviens dans 2 minutes. Hein. I want to be happy. I want to be gay. I want to be normal in every way. But I'm missing the loud, hangs over my dreams. It haunts my future and threatens my schemes. Please, 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 where did you go?
got me a sweetheart, and I love her too.